Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec Yacine, yo, et Myriam. Yo. On va se faire un... C'est aberrant. On va se faire un pile ou face challenge des familles, la famille. Arrête de dire des familles, j'aime pas ce mot, arrêtez de dire des familles. On va faire un pile ou face challenge, c'est simple. Un défi, un objectif, pile ou face pour savoir qui se mange le défi, qui va payer, etc. C'est parti. Oh les bravas. T'as vu comment j'ai grossi? Machallah, que de la graisse et de l'eau. Non, c'est... Oui, touche. J'allais faire une commande Burger King pour aller manger. Moi, vous connaissez, je peux pas manger des fast food, ça, tout ça. Donc là, vous allez faire toi, Younes et Myriam, un pile ou face pour voir qui va pouvoir la manger. C'est moi. Pain, Inch'Allah, ça tombe sur moi, les gars, j'ai trop faim. Toi, Burger King, t'aimes pas trop? Si. Non, vas-y, on suit Yacine. Il va nous faire une commande. Let's go. Eh, hey, un bon poulet, un bon sandwich au poulet. Parallèle. Ah ok, bah au poisson alors. Ah, sur place ou à emporter? Ouais, sur place. Hein? Mais crois pas que c'est toi qui vas gagner. Hein. Crois pas que c'est toi non plus, on verra, pile ou face. Au poulet ou au bacon, s'il te plaît? Poulet au bacon. C'est parallèle. Ah d'accord, bah du coup poisson alors. Un menu sans poisson. Bon. Alors, oh, il y a des nouveaux trucs poisson. Oh, le master poulet. Poisson. Prends le master poulet. Poisson. C'est parallèle, le poulet. T'as un big fish. Ou t'as un King Jillfish? S'il te plaît, moi je vais vous prendre ce malais si je suis un rat, 5,50€ King Gage. Ah, parce que c'est lui qui va payer. Ouais, vous êtes des ouf. bien évidemment, medium. Ok. Non, t'aimes pas le cheddar. Non, j'aime pas le cheddar. C'est dégueulasse. Myriam, tu penses vraiment que tu vas gagner? Sauce ketchup ou mayo? Tiens, check. Les deux. Check. Commence mal ce défi. Paye. Après, j'ai encore 3 ans. De quoi? J'ai 3 ans. Attends, toi. Il va payer déjà. Va payer. Hey, j'ai 3 ans, je peux faire ça. C'est quoi le jeu de bébé là? Oui. Vas-y. Viens. Je vais te balayer, toi, tu vas voir. Comment elle fout la nourriture, regarde. Elle a 18 ans, elle veut jouer dans des jeux de 3 ans. Mais tu rentres même pas dedans. Tu rentres même pas dedans. Regarde, c'est des enfants. Vous avez quel âge les enfants? 7 ans. Voilà, ils ont le droit. J'ai 8 ans. Bah, t'es trop grande. Toi, t'as 9 ans? Ah, d'accord, super. T'es plus grand que moi. Ah, bah vas-y, tu peux jouer alors. Je pensais qu'elle était trop grande. Malade. Mais toi, t'as une sacoche. C'est que ceux qui ont 20 ans qui ont des sacoches. Malade, toi. J'arrive pas à me battre, c'est mort. Vas-y, bah va jouer maintenant. Moi, je vais partir. Ose partir. On a faim. Bon. Regarde, c'est quoi ça? La commande est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Yacine. Continue à faire la zouave. On a des frites, on a un hamburger. On va regarder comment ils sont les filets aux fiches du Kingfish Burger King. Waouh, bien voir. Il y a de la salade à l'intérieur. Et alors? Enlève. Bah, père. On a des beignets. Nous avons un beignet au chocolat, un beignet au chocolat blanc, un beignet au chocolat noisette et de l'ice cream. L'ice cream. Nous avons le numéro 1 et le monsieur. Ok. Le numéro 1 ou le monsieur? Numéro 1. Ok, je prends le monsieur. C'est tombé sur quoi? C'est tombé sur le numéro 1. Tu peux décaler le plateau s'il te plaît? On refait. Non. Bah non. Tiens, mais bah non. Mais rien, pourquoi t'enlèves la salade? J'aime pas la salade. Et alors? T'as vu, regarde ce qu'elle fait, elle mérite même pas de gagner. Les 2014, vous méritez des claques. Vous êtes une génération pourrie, sérieux. Elle enlève la salade dans un hamburger, c'est la meilleure chose. Je laisse ça. Oh là là là. Je vais goûter. Bismillah. Elle a grandi, hein. N'a pas qui dit ça. Oh, ça se voit, c'est grave bon en plus. Alors ceux qui mettent des bacs dans leurs doigts comme ça, là, j'ai envie de vous claquer. Eh, le poisson, il sent grave bon. J'ai envie de te claquer. Quoi? Ta bague, là. Tu peux mettre ça au garçon? Vas-y, je te mets les sauces. Je vais lui mettre du ketchup et de la mayo. On va faire un petit mélange. Pas mal. Je vais te puncher, va là-bas. Il se bat contre une guêpe. Attends. Elle va te piquer, tu vas rien comprendre. Faut pas bouger quand il y a une guêpe. J'aime pas manger dehors, toujours ils font ça. Allez, ah, c'est le sucre. Elles aiment bien le sucre. Allez, on part. Ouh, il y a un gang qui arrive. La tête d'homme, il y a un gang qui arrive. Ils sont froids. Viens, on rentre la porte. Voilà ce qui arrive. Les abeilles, c'est vraiment les pires.
Je déteste. Regarde ce qu'on a fait, on a tout renversé le plateau. À cause des abeilles. Tu sais qu'il y a trois beignets au hasard, un chocolat blanc, un chocolat noir et un chocolat au lait, Younes. Je suis pas un drogué. Le meilleur, est-ce que tu te rappelles quand on mangeait ça au quick, le meilleur c'était lequel? J'aime pas. Le chocolat blanc. Vas-y, prends celui du milieu, c'est le chocolat blanc, Myriam. Fais un gros croc et montre à l'intérieur. Je m'en fous. Vas-y Myriam, fais un croc et montre à l'intérieur. Ça normalement c'est le chocolat blanc. Tu vois à l'intérieur? Non. Ah, c'est pas le blanc. C'est du caramel. Noisette. Ah non, noisette. Oh non, c'est spéculoos. Quoi? Je m'en fous, je sais. Il a fait une tête. Et celui-là c'est quoi celui-là? Je voulais juste savoir c'est quoi celui-là. Spéculoos. Goûte l'autre pour voir. Incroyable. Nutella je pense. Comme par hasard là ils mettent une bonne dose. Hein. Et l'autre c'est quoi l'autre? Chocolat noir. T'aime pas. Non, j'aime bien. Bon là c'était pour s'échauffer, maintenant Myriam elle a de l'école, on va devoir aller dans les magasins lui acheter ses affaires d'école et on va faire pile ou face voir qui va payer. Comment ça, mais t'as un malade mental? On va essayer de lui prendre des beaux habits à Myriam, Nike, tout ça pour les filles. J'espère vraiment que ça va pas tomber sur moi parce que là ça va être à base de 300 euros au moins. Vu que j'ai payé le Burger King, c'est sûr que je vais pas payer ça. Tu sais quoi? On va charger. Allez, prends celui-là. On va lui prendre ça. Ça c'est pour la rentrée ça? Ouais, un t-shirt. Non, c'est bon. C'est ta bonne taille? Ouais, c'est parfait. Et j'espère vraiment que je vais pas râler ça, je suis mort. C'est bon, boss. Bon, on va faire choper la carte. Eh, t'es pas le boss, je rigole. Hein. On commence avec ça. Ouais, c'est en vrai. Plus, Lévis, sale taré. Ensuite. Ça. Ouais, vas-y, pourquoi pas en bleu et en bleu. Vas-y, viens, vous êtes des gros. Eh, là, attends, là, la facture, elle monte. Hein. Ah, c'est un survêt, ça. Ouais. Nike. C'est trop bon. Ça va ensemble. Hein. Alors, ouais. Oh, le taré. Ça aussi. Ça lui va bien. Pas mal, c'est pas mal. Toi, t'es vraiment très très confiant. Hein. On va se diriger vers les baskets. Qu'est-ce que t'en dis, Rudolf? Allez. C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Les gros scratchs là. Ça, c'est moche, ça, c'est moche. Oh, ça, c'est stylé, ça. Ah ouais, j'avoue, elles sont belles. T'aimes bien? On prend ça, on prend ça. En vrai, pendant que tu y rajoutes plus une autre paire. Hein. C'est vrai. C'est moche. Charles, moche. Je perds pas. C'est moche, moche. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, on part sur ça. Le pull, je crois, c'est nickel. Hein. Ça, c'est les pires moments quand tu vas faire du shopping. Les gens qui essayent, t'attends. C'est bon, le pull, on le valide. Niveau du jean, ça se passe comment? Super. Tu peux voir le gilet? Mets la capuche pour voir. La pochette. Alors, qui va payer entre moi et Yacine? Qui va payer? Entre moi et Younes. Toi, tu as de l'argent, toi? Moi, je... Attends, Yacine, ça se trouve que peut-être dans sa sacoche. Non, j'ai rien. J'ai pas d'argent. Laisse-nous regarder s'il te plaît. J'ai pas d'argent. Il y a quoi dedans? Ah, il y a de la merde. Laisse tomber, elle a pas d'argent. Si, en fait. Comment elle a pas d'argent? T'as un feu dans ta sacoche. T'as de l'argent? Que des centimes. Vas-y, là, tu choisis quel pile ou face toi? Moi, choisis le 1 euro. Choisis-le 1 euro. Je peux jouer pour toi. Bah non. Dans cette technique de mettre le monsieur devant, je fais. Touche plus. Attends, regarde comment je suis pas un gamin. Je t'avance, je t'aide, tiens, 1 euro. T'as 1 euro de moins à payer. Il a 1 euro de moins à payer. J'ai sauté sur lui. Allez, bon courage. Bon Younes, c'est l'heure. En plus, vous avez encore ajouté un survêt. Passer à la caisse. Je pense que ça va être à peu près... Vous voyez tout ce qu'il y a? 150 euros. Là, on a jean. Encore jean. Ok, il n'y a pas de soucis. De toute façon, je suis à terre, je suis plus à ça. C'est pas à ça près de toute façon. On a quoi? On a un gilet, pull, deux paires de baskets. La tête à Myriam. 242. J'en étais sûr. Mais je crois que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Change d'endroit, donc là Myriam, t'en as pensé quoi d'aujourd'hui? J'étais trop fier. On va où pour la suite? Comment ça on va où? On rentre là? Comment ça on rentre? Tu détruis ma vie petit à petit, Yacine. Tu m'as enlevé 300 euros là. T'avais qu'à pas perdre le pile ou face. On rentre à la maison, Yacine. On va au speed park. On va où? Au speed park. On fait au speed claque. Ouais. Je peux comprendre, mais par contre, Myriam, je vais te passer un message à tous les abonnés aussi. Vos parents vous achètent des affaires d'école, ça coûte cher.
ils s'investissent pour vous. Vous avez intérêt, regarde mes gros yeux, tu vois mes gros yeux, vous avez intérêt à travailler à l'école très très bien, ramener des bonnes notes et bien vous comporter, pas faire des bêtises. Parce que tous les sacrifices, qu'est-ce que t'en penses Younes? Skenny, pas en l'air, toi. Il est dégoûté, Skenny. Vous avez intérêt, la famille, à bien travailler, écouter vos profs et faire du bon travail à l'école pour remercier vos parents de tout ce qu'ils vous achètent, tout ce qu'ils font pour vous, ok? Moi aussi, si ta prof elle est méchante, c'est pas. Myriam, je rigole pas avec toi. Viens la gueule là, dépêche-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Aïe! Y'a bousculé. Oh, il est là. Vas-y, on refait un pile ou face. Non, c'est bon, j'ai envie d'arrêter ça. Si, on refait un pile ou face. Alors, on change de pièce. T'as pas des centimes? T'as des centimes, Myriam? J'ai une meilleure idée. Ouais, j'ai une bête idée. Non, on change de pièce. Quoi? L'autre, elle est pas bien, l'autre pièce. Ah, parce que ça porte malheur, tu penses? Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ça porte malheur, Starfallah. J'ai juste dit change de pièce. Myriam, ramène des centimes. Monte la sorcière. Ok. Je vais être là et dès qu'elle tombe par terre, ça joue. C'est la sorcière. Mais non, c'est lui, il a dit choisis numéro 1. Non, c'est l'inverse, c'est lui. Il a dit j'ai choisi le numéro 1, là c'est la sorcière. Mais non, t'as pas compris, c'est celui qui a été choisi. C'est toi la sorcière, c'est sûr que c'est toi la sorcière. Tu veux que c'est moi qui perde? Il a perdu, Smiley, allez, va t'accrocher à la barre. Forte, hein, s'il te plaît, sur les patates. Hein. Oui, bien sûr, tu pourras. Vas-y, accroche-toi. Accroche-toi sur la barre. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Myriam. Allez, Myriam. Ok. Myriam, pense à toutes tes injustices. C'est bon. Ah. Allez voir Younes, je crois qu'il a super super mal Myriam. Et je me suis fait mal aussi au poignet. C'est pas sa journée. Je me suis fait mal. Les gens qui disent Yacine est tout le temps énervé, regardez comment il est tout le temps énervé Younes aussi. Je suis pas énervé, je rigole. Il ne va pas avec lui. Il a complètement pété les plombs. Qu'est-ce que tu vas faire avec Myriam? Arrête Younes, c'est qu'une vidéo, c'est pour la vidéo Younes, arrête. Il a pété les plombs. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Elle me coûte trop cher, j'en peux plus. Mettez un maximum de likes, il va la jeter dans la piscine je crois. N'hésitez pas à vous abonner, nous on vous laisse là. Ciao, arrête Younes!